Je m'appelle Souksavan Kampasat, j'ai 27 ans, je suis combattant professionnel de MMA. J'ai commencé les arts martiaux par le judo à l'âge de 5 ans dans le Maine-et-Loire, une ville à côté de Saumur, une petite ville qui s'appelle Allonnes. Par la suite, j'ai déménagé en Vendée et là j'ai intégré le sport-études départemental à l'âge de 13 ans à La Roche-sur-Yon. J'ai fait 2 ans là-bas, par la suite je suis parti à un niveau au-dessus, donc le Pôle Espoir de Nantes. J'ai entré à l'âge de 15 ans. Par la suite, j'ai fait le sport-études de l'école technique d'Orléans, donc à l'âge de 17 ans jusqu'à mes 19 ans. Ensuite de ça, je suis retourné chez mes parents, donc en Vendée. Je continue à m'entraîner tous les jours, je me cherchais un peu et j'ai découvert le MMA que j'ai commencé à 21 ans. En allant me déplacer sur la ville d'Angers. Par la suite, j'ai rencontré mon professeur qui m'a emmené à mon premier combat pro, donc Emmanuel Fernandez. Donc je l'ai suivi, je l'ai rencontré lors d'un séminaire à Angers et je l'ai suivi donc sur Angoulême. Et par la suite, je me suis beaucoup entraîné avec lui et c'est avec lui que j'ai fait mon premier combat professionnel à l'âge de 24 ans. J'ai un record de 6 victoires, 7 défaites et un match nul. Donc ma carrière, j'ai commencé par une victoire. Ensuite, ça a été assez difficile parce que j'ai pris des adversaires. J'ai jamais calculé en fait. Et j'ai pris des adversaires assez forts d'entrée. Donc j'ai eu à un moment un record qui était à une victoire, 4 défaites, 2 victoires, 5 défaites. Je pense qui reflète pas du tout le niveau que j'avais. Seulement, j'ai pris vraiment des adversaires expérimentés d'entrée. Par la suite, j'ai réussi à enchaîner pas mal de victoires, ce qui m'a permis de revenir à égalité. Et là, sur le dernier combat, malheureusement, je reste sur une défaite. Mais je me fais pas de soucis, je vais remonter le palmarès. Et encore une fois, c'est au début de ma carrière, j'ai eu des défaites maintenant. Donc mon parcours dans le MMA, j'ai commencé à Angers. Donc je m'entraînais entre deux teams, donc la PWS Angers et Pythagore Angers. J'ai fait 2 ans, c'était vraiment ambiance familiale. Après, pour évoluer, je suis parti avec Emmanuel Fernandez, donc à Pythagore Angoulême. Donc la team Pythagore, c'est une des teams qui m'a monté sur mes premiers combats professionnels. Emmanuel Fernandez, il a été là pour moi au début. Il s'occupe et il s'occupait vraiment bien de moi. Après, par la suite, quand je suis venu Montréal, donc là, quand on arrive de France, faut savoir que la team qui fait le plus de bruit à Montréal, c'est la TriStar. Donc je suis arrivé, j'ai été m'inscrire à la TriStar. La TriStar, j'y suis resté 6 mois. Donc
La TriStar, pourquoi j'ai changé de team? Parce que j'étais habitué à une team, à la team Pythagore, où c'était vraiment, on va dire, familial. On s'entraidait, on travaillait tous ensemble. La TriStar, c'est vraiment une grosse écurie du MMA, donc c'est un peu plus solitaire, moins de soutien entre les combattants, je pense. Donc je suis arrivé à la Brazilian Top Team. Et là, j'ai retrouvé cet esprit de famille, d'entraide, de vraiment un groupe solidaire, un niveau qui est très élevé aussi. En jiu-jitsu brésilien, c'est ce qui se fait de mieux sur Montréal et je dirais même Québec, voire Canada, c'est ce qui se fait de mieux. Fabio Holanda, c'est celui qui a ramené la Brazilian Top Team au Canada. C'est vraiment le head coach de toutes les BTT au Canada. Donc, il a su apporter toutes ses pierres pour que le groupe soit vraiment soudé, fort. Il a formé des professeurs comme Lee Villeneuve qui est mon ami, mon coach, et je me suis vraiment lié à la BTT. C'est comme une deuxième famille pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe qui s'est vraiment soudée derrière moi. Donc en head coach MMA, jiu-jitsu, j'ai Lee Villeneuve, champion du monde JJB, invaincu en MMA, professionnel et amateur. Pour la partie pied-point, j'ai Sana Milosevic, donc qui a pas mal roulé sa bosse dans le milieu du pied-point. Il a vécu beaucoup en Thaïlande, il a côtoyé les meilleurs Thaïlandais. Il a vraiment un background d'exception en termes de Muay Thai. Pour le judo lutte, j'ai Hugo Maciel. Donc c'est un combattant brésilien qui est ceinture noire de judo, ceinture mauve de jiu-jitsu brésilien, et il est très très bon pédagogue. Il a vraiment des très bons détails à m'apprendre. À chaque fois, comme avec tous les professeurs, j'apprends de vraiment petits détails qui changent tout mon jeu. Pour ce qui est du camp d'entraînement, du conditioning, je suis avec Spiral Fitness, donc Vagelis et Adriano, qui font aussi vraiment du très bon travail avec moi. On progresse tous ensemble. J'ai vraiment une bonne équipe. Dernièrement, j'ai rajouté à cette équipe Nicolas Desjardins, donc Neuroperformance, qui s'occupe de traiter ma nutrition, ma diététique de avant combat, de la vie de tous les jours. Il me traite aussi en tant que. Il fait du replacement articulaire pour dès que j'ai des bobos, pour me remettre vraiment que je sois en forme tout le temps. Voilà, ça c'est mon équipe qui s'entoure autour de moi. Bien sûr, après j'ai beaucoup de sparring partners, tous mes partenaires d'entraînement à BTT. En MMA, je vais beaucoup sparer avec Yoni Sherbatov à Sherbatov MMA. Avec Dimitri Wardenberg à Granby. J'ai vraiment une très belle équipe autour de moi. My name is Fabio Holanda. I'm 36 year old and I'm a Brazilian Jiu-Jitsu coach. My background, like I said, it's Brazilian Jiu-Jitsu. It's been over 20 years I'm doing and over 15 years of black belt. My experience with MMA, I had 12 fights. All right, I won 6, I lost 6, half half. And I've been coaching MMA since, I don't know, 2002. I've been over hundred times in corners. His coach, he's my student, and I tell him and he listens. Lee Villeneuve, 36 ans, enseignant, j'enseigne en jiu-jitsu, puis cascadeur aussi. J'ai fait un peu de karaté il y a longtemps, kickboxing avec mon père,
de la boxe. Et puis, j'ai vraiment adoré le jiu-jitsu avec kimono. Après, j'ai fait du no-gi pour le MMA. Et puis, ensuite de ça, je vais travailler mon Muay Thai, ma lutte et mon jiu-jitsu pour être meilleur en MMA. Amateur, j'ai fait 10 combats, 10 victoires. Et puis, en professionnel, 2 combats, 2 victoires. J'ai bien commencé, en fait. En amateur, ça a bien été. Professionnel, ça a bien été mes 2 premiers combats. Et ensuite de ça, j'ai essayé de vouloir continuer. J'ai eu beaucoup d'annulations. Je me suis spécialisé dans le jiu-jitsu. J'ai continué dans le jiu-jitsu quand c'était plus facile. Je pouvais compétitionner. J'avais seulement à payer, je compétitionnais. C'est donc plus facile. C'est sûr que c'est quelqu'un qui se dédie à son art, qui donne tout, tu sais, qui veut vraiment, qui va écouter, qui croit à son équipe, qui veut s'entraîner fort, qui s'entraîne fort, qui est toujours assidu, il travaille très fort. Tu sais, il a tout pour devenir champion. On s'est rencontrés d'une façon drôle. En fait, c'est un de mes fighters, de mes amis qui se battait. J'étais dans son coin opposé, en fait, à Souk. Puis Souk a vu que... Il a aimé mon coaching, la façon que j'enseigne, en fait. Donc, il a transféré pour notre équipe, pour la Brésilien Top Team. Et puis, il m'a demandé d'être son coach, puis on est devenu amis en plus. Fait que, maintenant, c'est mon élève et ami, en fait. Alors, je m'appelle Stana Milošević. J'ai 42 ans dans quelques mois. Et je suis entraîneur de boxe thaïlandaise comme activité principale et aussi executive coach and life coach. Mon expérience dans les arts martiaux a commencé par un seul cours de judo alors que j'étais vraiment tout petit. Ensuite, je suis passé par les arts martiaux chinois, le kung-fu, dans les années fin des années 80, début des années 90. Les arts martiaux vietnamiens, la boxe birmane et finalement la boxe thaïlandaise et les arts martiaux thaïlandais traditionnels. En fait, je ne suis pas un spécialiste de MMA. Ma spécialité est vraiment la boxe thaïlandaise. Mais j'ai été amené à côtoyer des athlètes qui performent en MMA quand je suis arrivé en fait au Canada il y a 10 ans. J'ai été sollicité pour les aider à faire évoluer leur striking. On pourrait considérer que plus un athlète va être complet avec, je dirais, quelques forces développées à l'extrême dans certains points et plus il a de chances de réussir. Avec Souk, quand il est arrivé au gym ici, son besoin et sa demande, ça a été de vraiment l'aider à faire progresser son striking, sa position debout, sa capacité à envoyer, à utiliser ses jambes, à utiliser ses poings, éventuellement à lutter en corps à corps, utiliser ses genoux et utiliser les coudes, qui sont véritablement les armes que tous les boxeurs thaïlandais utilisent. Et moi, je me suis principalement intéressé, et c'est ce que je continue de faire, à cette portion-là de son entraînement. My name is Hugo Maciel. I'm from Brazil. I'm 24 years old, and I'm a judo teacher. I started judo when I was 10 years old, and I've been competing for a long time. I come from Brazil. I came to Canada to train with the Olympic team, and now I'm training a little bit more jiu-jitsu. I'm a purple belt now. Actually, I trained karate when I was a kid. I trained for 6 years, but I've never been really into MMA. I liked watching, I really enjoy, and I spar with some guys, like the grappling part. Well, particularly, I've never been very into it, but I understand how it works. We met last year, and he came to join BTT, and we started training together. I feel a big evolution on his game, on my perspective. We're getting more close now, as long as we are training partners. And I help him with the takedown part when he's getting close to his fights. You combine your striking with your grappling and how you're able to see opportunities coming, how you're able to mix it up when necessary. Bonjour, je m'appelle Adriano Morelli, j'ai 33 ans et je suis copropriétaire de Spiral Fitness Functional Training. So my name is Vagelis Trulis. I'm 28 years old. I'm owner and co-owner and co-founder of Spiral Fitness, and we are Souk's conditioning trainers. Je suis italien, je viens d'Italie, j'étais dans les forces spéciales de l'armée italienne, et j'ai commencé les arts martiaux en étant membre des forces spéciales. Alors, ça fait partie de l'entraînement des forces spéciales, en fait, de l'armée. My background in martial arts, I had done some taekwondo when I was a kid, I think as most kids do at the beginning, but my serious involvement in martial arts has been with Muay Thai for the last 5 years. I've been practicing
competing for the last five and then teaching for the last year. So I know Souk through Muay Thai. And we also have a relationship with Souk as his trainer and as somebody who I help with his conditioning. J'ai entraîné pas mal du monde et Souk c'est une personne que il vient à l'entraînement toujours concentré, toujours focus dans qu'est-ce qu'il fait et il se plaint jamais même s'il est fatigué dans le 100% et il travaille fort. He doesn't stop working ever. He doesn't give himself the chance to relax. He doesn't give himself the chance to not give 100%. And I think at the end of the day, that's what makes a difference. And that's why we've seen so much progress with Souk compared to other people. I've never seen anybody demonstrate such a strong work ethic ever. And it's inspiring. Honestly, it's extremely inspiring to see somebody be able to give so much all the time without questioning, without doubting it. He's a very good student. He's open-minded, he's here to learn, and he wants to go far, so the will he has, it's very important. My weakness, everybody has weakness, all right? And we're here to improve it, so I don't see no, like, that's his weakness. No, he's building up and he's getting better day by day. La qualité principale de Souk, c'est vraiment, c'est ça, c'est son travail, il est assidu, il écoute, il est toujours à l'entraînement, il répète, il s'assiste, il ne s'assène pas, il n'essaie pas de trouver d'autres solutions. Ce que tu lui montres, il le fait, c'est tout. Et puis il croit à ce que tu lui montres. Il travaille, puis il travaille fort, et ensuite, ça fonctionne. Ben, les faiblesses de Souk, je ne sais pas, c'est peut-être qu'il est émotif un peu. Mais à part ça, non, je pense pas qu'il y ait tant de faiblesses que ça. Faiblesse, chaque personne a une faiblesse intérieure. Là. Je ne connais pas assez pour dire toutes ses faiblesses, mais je crois que... Il a juste à travailler son stand-up un peu plus, puis travailler son sol encore plus pour devenir meilleur, mais les faiblesses, c'est sûr que son stand-up est un peu moins fort que son sol. C'est ce qu'il faut travailler beaucoup. Et les transitions de debout au sol, mais à part ça, non, ça va, je crois que tout est corrigible. I think it's the way he goes after what he wants, like the way he trains, the way he puts energy on the training, the way he's always there, the way he's always looking forward for the next challenge, right? I don't see weaknesses. I think I see points he could get better, and that those points is those are the ones he's working to improve. I think he could improve the way he strikes the transition to takedown. I think we could work on it. We have a very good Muay Thai instructor at the gym, and then we could start working on it to put things together, the striking, to takedown, and then join. MMA, you must be complete, so you have to work all the things a little bit combined. Yeah, I think Souk is a very good athlete. He's a hard worker. He has a judo background too, like me. Judo is very good for that because judo, you understand how things work, transition and stuff, distance, how you do your footwork, how the notion of space was very important too. And now he's getting better in his striking part, and I think in a short period of time, he's going to be shining in the big events. Le combattant le plus complet, c'est vraisemblablement celui, d'un point de vue théorique, qui aurait le plus de chance. Souk a énormément progressé debout depuis qu'il est arrivé. Il y a encore du travail à faire. Il peut encore raffiner sa compréhension de la game debout, ses stratégies, tout l'aspect stratégique. Il a acquis sur les derniers mois énormément de techniques. Maintenant, il faut encore pouvoir l'intégrer, la mettre en pratique quand il est juste debout. Arriver à faire en sorte qu'il prenne confiance dans ses capacités. Donc, il y a un gros travail mental qui continue à être fait et qui va se développer au fur et à mesure. Et il y a aussi la capacité à intégrer ça à sa game au sol. Sa force de base, due à son background en judo normalement, et ce qu'il a fait auparavant, c'est plutôt le sol. Mais tranquillement, pas vite, ce qu'on essaye de faire, c'est d'équilibrer avec lui sa capacité à être dangereux aussi bien au sol qu'en haut. Et à date, je te dirais qu'il a... Il a pris le chemin. Il a juste à continuer à marcher.
Le plus gros challenge, c'est d'arriver à le sortir de sa zone de confort pour qu'il prenne l'habitude d'être dans d'autres domaines, dans d'autres univers, et qu'il commence à se sentir à l'aise dans ces univers-là qui sont différents, ce qui va amener à, finalement, c'est stretch and grow. Donc, on va étendre sa zone de confort, et je pense qu'à date, c'est ça son plus gros challenge. Well, it's heart is always there, right? It's hard to build heart. All right, a lot of people have skill, but heart, it's the most important. Talking about skill-wise, I believe wrestling is a big. It's where like you can dictate it where you go. If you want to stay standing or if you want to go to the ground. So if you're a very good wrestler, you can always do that. You can always take people down. You can avoid people take you down, and you choose where you want to go. Oh yeah, for sure. And Suk has, you know, he's well-rounded. All right, Suk is good everywhere. His jiu-jitsu has been improved like crazy. And for sure, he's good wrestling, good submissions, and good striker. La recette pour fabriquer le fighter MMA parfaite. Je pense pas qu'il y ait vraiment de recette, parce que le MMA c'est tellement vaste. Il faut vraiment être complet dans tous les sports. Mais si j'aurais un ingrédient à cette recette, je dirais que c'est le travail. Beaucoup travailler. C'est l'ingrédient principal pour réussir dans le MMA, mais je dirais pas que dans le MMA, dans la vie de tous les jours. Le travail paye sur toute autre chose. Une des erreurs que j'ai pu faire, c'est après des victoires, retomber, ok, j'ai gagné. Mais c'est jamais fini. C'est jamais fini. Il n'y a pas de fin. Si tu te relâches, le monde va te rattraper. Il n'y a pas de fin. Mon objectif, il a changé dernièrement. Avant, je voulais être meilleur que les autres. Maintenant, je veux être le meilleur de ce que je peux être. Ça veut dire que j'aurai jamais de fin. Ça veut dire que si je suis fort, aujourd'hui, demain, je peux être encore plus fort. J'ai aucune limite. Je dirais pas que je suis né pour ça, mais c'est ce que j'aime faire. Le sport de combat, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'ai toujours fait depuis que je suis petit. Et maintenant, mon objectif, c'est d'être le meilleur de moi-même. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de victoire, pas de défaite. C'est-à-dire que demain, je vais gagner. Et ben, lundi, je serai au gym. Ou le jour d'après, je serai au gym pour devenir encore plus fort. Parce que je pense que c'est ça le... Je pense que beaucoup de fighters veulent être plus fort que les autres. Mais avant d'être plus fort que les autres, il faut se battre soi-même tous les jours. Je pense. Et les arts martiaux mixtes, c'est ça, c'est se dépasser à chaque jour, pour moi. Ce qui m'intéresse chez Suk, à la base, c'est pas que demain il devienne un champion ou qu'il ne devienne pas un champion. Ce qui m'intéresse, c'est qu'humainement, c'est quelqu'un qui est arrivé et qui voulait apprendre, aussi simplement que ça. Et c'était pas juste une arrivée opportuniste en disant « j'arrive, je prends ce que j'ai besoin de prendre, puis je me casse ». C'est non, j'ai envie d'être entouré, j'ai envie de trouver un groupe, de m'insérer à l'intérieur de ce groupe et d'apporter aussi ce que je peux apporter. Donc, on a une relation qui est très simple et où je considère qu'à la fois, il reçoit de l'attention en tant que ce qu'il est, mais aussi, lui, il apporte sa contribution au groupe. Et ça, ça rend le groupe vivant. Et Suk, il a une qualité énorme. C'est sa capacité à être consistant et sa capacité à être persévérant. Et... D'après moi, c'est deux qualités qui font que dans la vie, on réussit. Est-ce qu'il va réussir à devenir un champion? J'en sais rien. Je te dirais que je lui souhaite. Ce que je lui souhaite surtout et avant tout, c'est de continuer à rester qui il est à aujourd'hui. Et le reste, l'avenir nous le dira. Future is very hard to tell because it's what you want and it's hard to tell. But if he keeps going like this, he's going to go far. No, I think he's in a good direction. He's like I said, he's will to learn. He's learning. He's working hard. He's improving every direction. He's improving his strike. He's improving his wrestling. He's improving jiu-jitsu. It's not other way. I feel like he's getting his way now. I think he's putting his mind on the right place. He's very focused, and hopefully he's going to get into big events very soon. He's going in the right path. I think he's doing
a good job, but it takes time, right? So every day improving a little bit, you're gonna get into the very good level, he's gonna be able to fight anybody, anytime, anywhere. Le futur, on sait jamais ce qui va arriver. Comme moi, j'avais un gros potentiel, puis j'ai eu beaucoup de... Il y a des choses qui ont fait en sorte que je n'ai pas réussi à persévérer, mais sûr que je crois que déjà, il est connu beaucoup. Il était connu en Alberta maintenant. Il l'aime bien, fait qu'il y a des chances de se battre dans d'autres fédérations, dans d'autres endroits qui vont lui donner une possibilité de pouvoir se battre sûrement, là, peut-être aux États-Unis ou... parce que King of the Cage, c'est vraiment dans l'Est, dans l'Ouest canadien. Donc, on a des chances là. On a ici au Canada, au Québec, puis on a l'Ouest maintenant. On a l'Est et l'Ouest. Donc, il y a un gros potentiel. Il a continué à travailler son sol de la même façon que moi, parce qu'il est physiquement, il est semblable à moi. Et puis, on a le même style. Donc, développer ce style-là, développer mon style, en fait, pour qu'il devienne meilleur, puis qu'on se comprenne, puis qu'on se connaisse vraiment. Et puis, travailler son stand-up avec Sana, qui est très bon aussi en Muay Thai. Donc... Je pense que l'influence que je peux avoir, c'est d'essayer de lui... de continuer à l'obliger à travailler et à conserver et à cultiver ces qualités-là. De rester un gars humain, de rester un gars qui a envie de faire partie d'un groupe, qui a la capacité et la volonté de développer son potentiel au maximum, peu importe là où ça débouche. Je dirais, cette capacité de travailler sans avoir la certitude qu'il va réussir. Et je te dis, je travaille et ça finira par payer. De quelle façon, je pense qu'on ne le saura pas avant 5 ans, 10 ans, mais que ça payera. Parce que s'il continue de faire un travail honnête, avec lui-même avant tout et avec les gens qui l'entourent, il recevra en retour. Les gens qui ont du potentiel, il y en a à l'appel, j'en ai côtoyé plein. Et des gens qui n'ont jamais fait jaillir leur potentiel, j'en ai vu plein aussi, qui ne faisaient rien avec. Et Souk, il a cette capacité à se lever. Il se lève le matin, il est là le soir, il est à midi, et il est là tous les jours. Ce n'est pas juste quand ça lui tente, ce n'est pas juste quand il fait beau. C'est peu importe la journée, peu importe comment il se sent, tu vas toujours le voir là. Et il a un gros avantage, c'est qu'il va toujours arriver avec le sourire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est parfois rare, c'est qu'il a cette capacité à endurer. Ce qu'il a à vivre, il n'est pas quelqu'un qui se pose en victime, qui se plaint. Donc il reste, il fait face à la vie. En fait. Hard work beats talent, absolument. Si un talent, il ne met pas les 100%, et encore, on retourne toujours la même chose. C'est l'entraînement dur chaque fois, entrer avec l'esprit de guerrier et on voit ça dans la. Après, on voit ça pendant les combats. I think what gives the edge is the desire to leave the cage or leave the ring or with the win. In the ring, you never know what's going to happen. You never know because talent might come out in the ring, but 99%, I would say yes, it does. Hard work does beat talent. Unless talent gets lucky sometimes, you know? I think hard work is the only thing who can beat talent. Even if the guy's talented, you work like much more than him, you're able to beat him because you're gonna be more experienced, you're gonna see things that he's not gonna see. But it's really hard, but it's always possible. It depends how the talent goes, all right? If a talent is a hard work, you can't beat that. But for sure, hard work always beat talent because when you have a talent, it's easy to become lazy, you know? When everything comes to you so easy, it's human nature. You get lazy, all right? But yes, in general, yes, for sure, hard work would beat talent. Non, le travail bat le talent, oui. S'il n'y a pas le talent, souvent les talentueux, oui, des fois tu vas avoir un talentueux qui travaille très fort, mais c'est très rare. Souvent les talentueux, tout est facile. Fait que dès que ça devient un peu difficile, ils lâchent. Tu sais, ils continuent pas. Ils sont pas capables de continuer ou de passer au travers la difficulté. Tandis que quelqu'un qui a travaillé fort toute sa vie, il a eu toujours des difficultés, en fait. Ça n'a jamais été facile. Ils ont eu beaucoup de défaites, Ils ne sont pas des défaites pour grandir, en fait. C'est pas avec les victoires que tu grandis, c'est avec les défaites que tu grandis. Donc, je crois que... Puis de continuer à travailler fort, comme moi, je n'avais pas vraiment de talent. Je me suis rendu loin, pareil.
Mais j'ai travaillé fort, je me suis toujours entraîné, j'ai toujours été là, j'ai tous les jours à l'entraînement. Donc, je crois que c'est le travail qui bat le talent. J'ai pas vraiment de moments difficiles. Je dirais que les moments difficiles, c'est si j'ai des blessures, que je peux pas m'entraîner. Ça, c'est vraiment des moments difficiles pour moi. Sinon, quand je m'entraîne, même quand c'est très dur, je suis content de faire ça. Je peux faire ce que j'aime. J'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Non, il n'y a pas vraiment de moments difficiles dans le sport. Est-ce que tu as connu des moments de doute? Oui, j'ai connu des moments de doute. Mais j'ai jamais laissé le doute s'installer. J'ai eu des moments de doute. Je peux pas dire que j'ai pas eu de moments de doute. Maintenant, quand j'avais des doutes, le doute, c'est pas un problème. Enfin, c'est un problème sans en être un. Si du doute, tu transformes en point fort, c'est-à-dire tu doutes, mais chercher pourquoi je doute pour aller encore plus haut à chaque fois, ça rend plus fort. Les doutes qui sont vraiment très durs, c'est les doutes que tu ne peux pas expliquer. Quand tu peux expliquer ton doute, tu peux le surmonter. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas spécifique et nous expliquer comment tu as réussi à vaincre, à t'en sortir? Bah, quand j'avais, au début de carrière MMA, quand j'avais beaucoup, 3-4 défaites de suite, c'était vraiment dur. Il a fallu travailler, trouver ce qui n'allait pas, trouver pourquoi en combat, j'arrivais pas à être aussi performant qu'à l'entraînement. Ces choses-là, ça c'est pour la partie MMA. Après, pour la partie judo, quand j'ai quitté le sport études, ça a été un doute un peu plus long. Ça veut dire par là que presque un an. Un an où je m'entraînais toujours fort, mais je savais pas pourquoi je m'entraînais. J'étais à l'entraînement, je m'entraînais fort, comme toujours. Mais j'avais pas de but, j'avais plus rien. J'avais perdu mon but. Et c'est de là que j'ai trouvé mon but, mon objectif dans le MMA. Et je dirais que ce que j'ai pas réussi à faire en judo, ça m'aide maintenant dans ma carrière MMA. Qu'est-ce que t'as pas réussi à faire dans le judo ? Dans le judo, en fait, moi je visais l'équipe de France, je visais les championnats d'Europe, championnats du monde. Et je me suis arrêté à l'école technique d'Orléans. Donc pas mal de personnes de l'école technique d'Orléans, c'est vraiment une grosse école qui a formé beaucoup de champions de judo. Je dirais que j'ai peut-être eu de la suffisance. Donc je suis arrivé là-bas à 17 ans, donc jeune, mais comme les autres en sport études, je ne vais pas mettre ça sur une excuse. Seulement, je pensais déjà être arrivé, je pense. Je pensais déjà être arrivé. Si je suivais les entraînements, je pensais que ça allait marcher. Mais c'est là qu'on revient, qu'il ne faut jamais s'arrêter de travailler fort. Pythagore a une place très spéciale dans ton cœur. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment? Tu veux nous parler de ton tatouage? Ouais. Donc Pythagore, oui, ça a une place dans mon cœur parce que c'est... je dirais que c'est eux qui... C'est par eux que j'ai commencé, c'est le début. C'est comme quand... Mon premier vraiment maître pour le MMA Jiu-Jitsu, c'est lui. C'est comme... Donc du coup, j'ai tatoué le logo de Pythagore. Derrière la nuque, avec la devise de Pythagore, c'est Nunca desista, persista. Ça veut dire en brésilien, jamais renoncer, persister. Et c'était une devise qui me convenait vraiment. Donc c'est rentré dans mes mœurs. Et depuis, c'est tous les jours, c'est ça ma vie. Je tombe, je me relève, mais je reviendrai toujours. Est-ce que ça a été dur de quitter Pythagore? Est-ce que ça a été dur? Oui et non. Oui, parce que j'ai beaucoup d'amis.
et que c'était ma team en France, c'est ma team. Mais non, parce que j'avais mes objectifs et je savais pourquoi je venais. Donc ça a facilité les choses. Pour Souk, ouais, s'il continue comme ça, comment il s'entraîne, c'est sûr que je vois un super bon futur pour lui. Et pourquoi pas la UFC, absolument. If he continues like this, and I don't see why he wouldn't, I see a great future for Souk. He's not giving himself the chance to not succeed. And I think that with the right team around him and with the right support, which I think he has, whether it's BTT or here, he has, he's surrounded by people that believe in him and that are there to take him where he needs to go. And as long as he keeps this mind state that he has, he will go very far, very far. I couldn't imagine him doing anything else. Like it's he needs to live this out as far as it goes, because I think he's going to go far. And I think he believes that too. So he's going to do it. Moi, est-ce que je prévois Souk dans 5 à 10 ans? Ben moi, j'espère. C'est, dans 5 à 10 ans, c'est l'idéal, ça serait l'UFC ou la Bellator, c'est une grosse fédération. Ou peut-être le Pride, pas le Pride, mais le One FC. Le One Fight FC qui est au Japon, qui est en Chine et tout. Vu qu'il est l'ancien d'origine, il y a beaucoup de chances de se battre dans cette fédération. Il adore les Asiatiques. Donc, ça serait génial, en fait, d'aller en Europe et voyager partout. Ça me permettrait de voyager en même temps puis de voir du pays, en fait. Ça serait super. Mais je le vois bien là-dedans. Mon futur. Je le vois dans une organisation majeure de MMA. J'ai un penchant pour le ONE FC parce que, étant d'origine laotienne, ça me tiendrait à cœur de combattre sur le continent asiatique et de représenter le pays de mes origines, le Laos. Est-ce que tu penses qu'on est né pour avoir pour vivre pour, parce que la vie, elle est quelque chose de facile, ou elle est quelque chose de difficile de combattre pour toi? Moi, je pense que la vie n'est pas faite pour être facile. Il y en a qui auront une vie plus facile que d'autres, ou il y en a qui se contenteront de plus de facilité, mais il faut avancer. On ne peut pas rester à reculer. On n'a pas le choix d'avancer. La vie, elle avance avec ou sans toi. Fait qu'il y a des moments difficiles, mais il faut continuer. Si la vie, elle serait facile, je pense qu'on s'ennuierait beaucoup. Ouais. En tout cas, moi, si ma vie serait facile, je m'ennuierais. Vraiment. Yeah, baby, I'm free. Yeah, baby, I'm free.